Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto minute Happy Day Tourisme. Quand vous avez des demandes récurrentes à l'accueil, par exemple que faire le week-end prochain ou la liste des restaurants à proximité de l'office de tourisme, il est possible sur Happy Day Tourisme d'enregistrer ces listes et recherches récurrentes pour ne pas avoir besoin de les refaire. L'idée de ce tuto aujourd'hui, c'est de vous montrer comment faciliter le travail d'équipe en partageant ces différentes listes ou recherches pour que chacun puisse les utiliser. Ça permet de mâcher un petit peu le travail si, par exemple, vous avez des saisonniers qui ne connaissent pas toutes les fonctionnalités de la recherche avancée. Ça permet du coup de les retrouver et très facilement et de pouvoir les utiliser rapidement. Et du coup, renseignez au mieux votre visiteur qui est à l'accueil, au téléphone ou par mail, peu importe. Allons découvrir cette fonctionnalité. À partir de mon tableau de bord, je clique sur le menu « Mon profil »,« Recherche ou liste enregistrée » et « Mes recherches ou listes enregistrées » pour retrouver tout ce que j'ai pu construire. Et c'est à partir de cette liste de recherches et de listes, justement, que l'on va pouvoir les partager. Il suffit en bout de ligne de cliquer sur « Partager la liste avec ma structure ». Il est aussi possible d'en sélectionner plusieurs et d'aller cliquer sur « Traitement » pour en faire des partages en nombre « Partager avec ma structure ». Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez du coup retrouver toutes ces listes, vos collègues peuvent les retrouver ici dans les recherches ou listes enregistrées de ma structure. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez les liens vers les différents tutos de l'aide en ligne dans le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à bientôt!